Miroir de nos peines, c'est un livre que j'attendais avec une réelle impatience. J'ai adoré, je l'ai lu d'une traite, vraiment il se dévore, il est passionnant du début jusqu'à la fin. Ce que j'aime dans les romans de Pierre Lemaitre, ce sont avant tout les histoires qu'il raconte. Elles nous font voyager, elles nous transportent. Je trouve qu'il a vraiment un talent de conteur hors norme, hors pair. On est pris par les personnages, par ces destins croisés qui s'entrelacent. On se doute bien qu'il y a des liens, on ne sait pas encore lesquels, on va les découvrir au fur et à mesure. À qui je recommanderais ce livre? En fait, j'ai envie de dire à tout le monde, et même pour toutes les générations. Moi, je sais que le mien circule déjà entre plein de mains. J'aime le personnage, la personne, Pierre Lemaitre lui-même, un excellent auteur, drôlissime à souhait. Ce qui est bien avec ce livre, c'est qu'on peut le lire sans avoir lu les deux premiers livres de la trilogie. Il peut se découvrir et s'apprécier indépendamment des autres, et même donner envie d'aller redécouvrir les deux précédents.